Lancé officiellement le 10 décembre 2014 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, les travaux de construction de la route de la Corniche, notamment le tronçon reliant le club nautique à la case de Gaulle à Bakongo, sont largement avancés au regard de la dextérité des 380 travailleurs chinois de l'entreprise China Road and Bridge Corporation et des 500 Congolais œuvrant nuit et jour sur le chantier sous le contrôle du groupement français SGI Sutec. Né de la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de permettre le désengorgement de la circulation routière et de faciliter en même temps l'accès au centre-ville et aux quartiers périphériques de Brazzaville, cette route qui prend progressivement corps le long du fleuve Congo est une composante du grand projet de construction de la route de la Corniche, maillon d'un vaste projet multiséquence qui partira du pont de Djoué jusqu'à la cité naissante de Kintélé sur 22 km, assorti d'une quinzaine de pénétrantes ou portes vers les quartiers desservis. Cet ouvrage intègre un viaduc comprenant un pont à haubans de 545 mètres de longueur, le premier en Afrique subsaharienne, avec deux pylônes de 122 mètres de hauteur supportant le tablier et de 120 haubans d'une longueur moyenne de 116 mètres. Le tronçon sera encadré par deux giratoires, l'un au ravin du Tchad et l'autre à la case de Gaulle, encerclant le monument des compagnons de De Brazza. Enfin, l'ancienne section existante qui part du ravin du Tchad au club nautique avec ses 1,300 km est en cours de requalification avec un trottoir ou promenade de 10 mètres. Les statistiques fiables sur les mouvements et déplacements sur les routes avaient permis de juger régulièrement de leur degré d'encombrement et de saturation. À travers cette visite guidée du chantier, Amar Ketfi, chef de la mission de contrôle SGI, et André Zéziak, son adjoint, nous donne plus d'éléments sur l'état d'avancement physique des travaux de ce chantier qui retient beaucoup l'attention du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, initiateur du projet. Notamment, le pont Oubané et ses différents pieux et pylônes, le pont d'accès avec ses multiples pieux des piles et semelles, ainsi que le giratoire du Tchad, dont les inclusions rigides ont soutenu le terrain. Enfin, la requalification de la route de la Corniche, dont les travaux de terrassement achevés ont fait place au renforcement du sol par des colonnes balastrées. Création d'un giratoire qu'on appelle giratoire Case de Gaulle. Ce giratoire a pour but la liaison avec une route qui est en plein chantier. C'est la route Djoué-Case de Gaulle, hein, qui est financée par l'Agence française de développement, l'entreprise Serazel. Et puis ici, on se branche sur une route qui a été réalisée par SGE Congo. Après, on va avancer et on va rencontrer un grand viaduc qu'on va voir dans le détail. Le départ du viaduc est là. Le viaduc, il fait 905 mètres. Il est composé de deux ponts, un pont Oubané et un pont d'accès. Et donc, entre le giratoire et le pont, il y a quelques 245 mètres. Ici, on n'a pas encore commencé pour des raisons pratiques, mais oui, le pont est à stade avancé. La base du chantier, notre installation de chantier, là. Après, on a tout le pont et on arrive avec la création d'un giratoire Tchad. Vous voyez là, le giratoire Tchad. Le giratoire Tchad, c'était des travaux très complexes. C'est un remblai de 17 mètres. C'est un remblai qui est fondé sur des micropieux, des inclusions, hein, parce qu'on a de très très mauvais sols. Maintenant, le remblai est réalisé. Et après, on enchaîne avec la requalification de l'ancienne corniche que vous connaissez tous. Je crois que c'est derrière l'hôtel de ville. Voilà, c'est ça. Vous allez, les gens vont pouvoir se promener là, admirer le pont là, qui va être ici. Voyez, vous allez le voir, c'est magnifique. Enfin, ça va être je crois que franchement, ce sera le plus bel endroit de Brazzaville. On va faire en sorte pour que ce soit ça. Pour résumer, deux giratoires, un viaduc de 905 mètres, composé de deux ponts, deux giratoires, giratoire Case de Gaulle, giratoire Tchad, relié par un grand viaduc. Ce viaduc se décompose en deux ponts, un pont Oubané et un pont d'accès, un 905 mètres. Après, c'est l'élargissement de l'ancien corniche. Le pont d'accès fait combien? Le pont d'accès, c'est 360 mètres. 360. Et le pont Oubané, c'est 545 mètres. Donc les deux points, ça fait 905 mètres exactement. 905. On va pouvoir marcher sur le pont là maintenant. Vous savez que c'est le seul pont en courbe qui existe en Afrique. C'est le pont Oubané, c'est le seul courbe.
le pont courbe. Aubanais, hein, le pont Aubanais courbe, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça que je suis là. Et on avait prévu de les achever en juillet 2015, malheureusement on a un petit retard. Ce ne sera pas le cas, on va aller jusqu'à novembre, décembre 2015. Normalement, on aurait dû achever ce projet en juillet, fin juillet 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce retard? Écoutez, l'entrepreneur n'a pas réalisé ses objectifs. On était derrière. Mais vous savez, un, deux ou trois mois de retard, c'est pas un projet. C'est le seul projet. Moi, vous savez, j'ai visité une trentaine de ponts en Chine. On n'en a pas un seul avec le pont courbe. On n'en a pas un seul à le pont banc courbe, non. On fait les courbes après ce type de pont. Oui, vous avez dit que c'est un pont. Deux voies. Deux fois, deux voies. Deux voies et deux voies. Comme une autoroute séparée. Hein. Et ça fait comme quelle largeur là? La largeur, ben, une voie c'est 3,50, deux voies c'est 7 mètres et 7 mètres avec un terre-plein central. Et après, on a un passage de service. Et là-bas, un trottoir pour piétons pour admirer la belle vue et voir Kinshasa en face. Et on peut se promener jusqu'à Mamiwata. Voilà. Une voie, c'est 3,50. Deux voies, c'est 7 mètres. Deux fois, deux voies. Et les gros tubes que je vois de là. Les voies, c'est pour les haubans. Vous voyez, les haubans. Les haubans, ce sont des dispositifs qui participent à la stabilité du tablier. C'est pour ça qu'on dit pont haubanais. Pont haubanais. Il y a quelques haubans qui ont été tirés. Au fur et à mesure, on tire les haubans. 120 haubans au total, 60 par pylône. On coule, on met les haubans en tension, on coule, on met les tensions. Celui-là, il a été coulé il y a 2-3 jours. Là-bas, il y a plus d'un mois. C'était tellement grand cette section qu'il a fallu 2 mois pour la préparer. Voilà. Voilà. Ce qui est sûr, mi-septembre, tout le tablier, 905 mètres seront terminés. Tout le tablier pré-contraint. Et en plus de ça, ça veut dire quoi? Pré-contraint, c'est une technique dans le génie civil. On a le béton armé et on a le béton pré-contraint. Dans le pré-contraint, on met en tension pour éliminer les contraintes de traction. Pré-contraint, c'est une technique, hein, c'est connu. Et en plus de la pré-contrainte, le tablier il est haubané. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, même à long terme, dans 100 ans, 60 ans, on peut remplacer les câbles. C'est ça l'avantage des ponts haubanais. Ici, nous avons des voussoirs. C'est le dernier voussoir qu'on va couler. Après, un voussoir de clavage et toute cette zone, elle est achevée. Il nous restera la zone entre les deux pylônes. Les deux pylônes. C'est des vous, on dit voussoir, pourquoi? Parce que c'est des morceaux de tablier. Morceaux. On ne peut pas couler d'un seul coup, c'est pas possible. Ouais. On coule, on met en tension. On coule. Non, ici non. Ici non. Dans le pont d'accès, oui. Ce sont deux grosses poutres maîtresses latérales. Il y a un système d'entretoise. Et puis une dalle. Ça c'est pour éviter. Voilà, c'est la cure du béton. Pour que l'eau ne s'évapore pas vite, sinon il y a des fissures de retrait qui ne sont pas méchantes, mais on veut les éviter. On veut les éviter. La requalification, on va arriver. Allez, on est en train d'avancer aussi. On est en train d'avancer. Ah, oui. Là, il y a eu beaucoup de techniques. Il y a eu la technique des colombes ballastées, dans le remblai, il y a eu les inclusions. C'est un projet plein de complexité. Hein. Plein de complexité. Vous avez combien d'agents ici? En gros, il y a les Chinois et il y a les locaux, les Congolais. Hein. 380 Chinois et 520 Congolais. 380 Chinois, Chinois et 520. Il y a 900 personnes en ce moment. Les Congolais participent pleinement sur ce projet. Oui. Il y a 520 Congolais. Et les Congolais aussi travaillent nuit et jour comme les Chinois. Oui. Vous voyez, vous êtes en courbe. Là, vous avez bien vu. Bon, ce sont les seuls ponts que vous avez en courbe. Il n'y en a pas d'autres. Donc, il faudra venir à Brazzaville pour voir un pont à Auban en courbe. Mais ailleurs, en dehors du continent africain, on en trouve. Il y en a peu, en fin de compte. Hein, parce que, si vous le mieux, c'est très compliqué à réaliser. Hein, ça demande beaucoup de corrections parce que ben justement ces courbes ça tend à se tordre. Hein. Et puis c'est tellement plus simple d'aller faire les courbures sur les parties qui sont routières. Et puis au niveau coût de l'ouvrage, ben, si vous avez un ouvrage droit, c'est beaucoup moins cher. Mais pourquoi a-t-on choisi parce que c'est joli.
Parce que c'est la seule fois, oui, c'est la seule fois où c'est mieux que vous avez un pont courbe ici. Est-ce que c'était aussi possible? Il aurait fallu faire. Regardez, c'est pas évident, hein, parce qu'en fin de compte, le rond-point est ici. Vous voyez, et comme on arrive en courbe, il y avait déjà une courbe qui était un peu prononcée. Si vous avez mieux, vous voyez. Hein. Donc c'est la forme du relief qui vous l'a imposé. C'est le relief qui fait que c'est mieux de se mettre en courbe ici. Mais était-il pour faire un raccordement un peu serré ici qu'on aurait pu faire, mais c'est moins joli. Au niveau touristique, ça sera très très bien parce qu'on va avoir un trottoir qui fait 4 mètres de large. Voyez, ça veut dire que vous allez pouvoir partir de là jusqu'à Mamiwata, tout à fait au bout de la rue de la Corniche, là-bas où vous voyez les immeubles, vous voyez, hein, en vous promenant. Parce qu'on a un trottoir de 7 mètres au minimum sur toute la route. Et il va de 7 mètres à 30 mètres de largeur. Il y a une voie piétonne qui est énorme, ne sera pas gênée par le trafic. Pas du tout. C'est une voie piétonne agrémentée avec de la végétation, avec des choses pour faire du sport, etc. Et tout ça. Du 4 au 19 septembre 2015, Brazzaville va abriter la 11e édition des Jeux africains. La capitale de la République du Congo accueille pour la seconde fois ce grand événement sportif continental après avoir organisé la première édition en 1965. Il s'agit donc d'un retour aux ressources pour la célébration du demi-siècle d'existence de ces Jeux. Pour la réussite de l'événement, le gouvernement congolais sous la férule du président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est employé à la construction de nouvelles installations sportives. L'option de bâtir du neuf, ayant primé sur la rénovation des installations existantes, un stade de 60 000 places présenté comme révolutionnaire pour le continent africain va être livré d'ici peu. Un palais de sport de 10 000 places et un centre nautique de 2 000 places sont aussi en voie d'être livrés. Ces équipements flambant neufs sont intégrés dans un vaste complexe posé à Kintélé, auquel est adjointe l'université Denis Sassou Nguesso, dont le campus d'une capacité d'accueil de 17 000 étudiants servira de village olympique. À côté du complexe sportif se construit une voie d'accès rapide à la lisière du fleuve Congo. Il s'agit de la troisième sortie nord de Brazzaville qui part de Kebana Virage jusqu'au giratoire d'accès au complexe olympique de Kintélé. Les travaux portent sur l'installation d'un viaduc d'environ 4 mètres de hauteur dans la zone marécageuse sur 7 km. Soutenu par quelques 728 pieux. Les travaux de cette voie ont démarré au début de l'année 2014. Mais c'est le 8 mai 2015 que le président de la République a donné le premier coup de pelle symbolisant le lancement officiel. Il porte sur la réalisation, nous l'avons dit, d'un viaduc de 2x2 voies de 7,60 mètres de large chacune, séparé par un terre-plein d'un mètre, un trottoir de 1,10 mètres aménagé de part et d'autre de l'ouvrage. Ces travaux très très avancés sont présentement à l'étape de l'enrobé. L'ouvrage d'art de 7 km le long du fleuve étant déjà terminé, tout comme la rampe d'accès. 102 592 millions de francs CFA sont déboursés par l'État congolais pour l'exécution de ce chantier titanesque par la société chinoise China Road and Bridge Corporation, CRBC. Ce viaduc, d'après les observateurs, sera une véritable attraction touristique. C'est un projet emblématique dans ce sens qu'il constitue pour le Congo une première. À côté de ce projet,
il y a un autre, lui aussi emblématique. Celui-ci est relatif à la construction de deux échangeurs. Le premier au niveau de Kebana Virage, avec un passage supérieur permettant les échanges entre l'avenue des Trois Martyrs, l'avenue Marie Ngwabi et la troisième sortie nord. Le second, à la hauteur du ruisseau Kelekele, avec un passage supérieur, permettra de fluidifier les échanges entre la deuxième sortie nord existante et la troisième sortie. Ce projet prend aussi en compte le réaménagement de l'avenue des Trois Martyrs sur 660 mètres entre l'école Fleuve Congo et le carrefour Kebana Virage, la réalisation de la rampe du viaduc sur 1 km, le rétablissement de la deuxième sortie nord par la rue Chitondi sur 900 mètres, le rétablissement des échanges à l'intérieur des quartiers par la réalisation des contre-allées de réaménagement de 4 rues, Epena, Soinké, Loutété, Chitondi et d'une partie de l'avenue des Trois Martyrs et la création d'une voie d'accès au gymnase situé dans le site de Talangaï. Ce deuxième projet a été confié à l'entreprise SGEC Congo pour un coût global de 28,1 milliards de francs CFA. Plus que quelques jours nous séparent de la date fatidique des Jeux. Les entreprises impliquées dans la réalisation des 10 projets travaillent d'arrache-pied pour que les ouvrages soient disponibles d'ici à la fin du mois de juillet, sinon au début du mois d'août de l'année en cours, selon les dires des techniciens qui sont sur le terrain. De leur côté, les autorités sont optimistes quant au respect des délais. Les installations seront prêtes à temps, rassure-t-elle. Le viaduc de 7 km va pratiquement vers la fin. C'est le plus long ouvrage en Afrique noire francophone qui a été réalisé, qui est en cours de réalisation par l'entreprise China Road. Il se déroule ici de véritables grands travaux et des travaux vraiment gigantesques. Nous sommes rassurés parce que les délais seront tenus. À côté des voies d'accès, à hauteur de Kebana Virage, un gymnase sorti de terre dresse sa posture imposante. Celui-ci servira aussi aux 11e Jeux africains. 122 Chinois et 160 Congolais œuvrent sur ce chantier qui pourrait arriver à son terme au plus tard fin juillet 2015, car il ne reste plus que le revêtement de l'aire des Jeux, l'installation des tableaux électroniques et des sièges. C'est le gymnase pour les Jeux olympiques africains. Il y aura 3000 places dans ce gymnase. Il y en a de ping-pong, handball, volley, et aussi le boxing. Basket aussi? Basket, oui, je pense que... Les gros œuvres, c'est presque de fini. Maintenant, il reste seulement les revêtements de l'air de jeu et les sièges dans le gradin et l'écran, le grand écran. Mais tout ça, ça c'est les autres fournisseurs qui nous fournissent. Mais maintenant, je vous ai déjà dit, on n'a pas encore reçu de paiement, donc tout ça c'est déjà arrêté. Si le paiement, on a déjà reçu, si tous les matériels, on a déjà, il y en a, on peut finir à la fin juillet. On peut finir, on a de la confiance à la fin juillet. Mais maintenant, on ne peut pas assurer. Et aussi, il y a un problème, c'est le problème d'expropriation. Avant, c'est l'entreprise qui remplace le DGGD de pays.
C'est vrai qu'il y a quelques difficultés de parcours, mais nous osons croire qu'elles seront sans doute jugulées et qu'avant les Jeux, tous les ouvrages prévus pour leur organisation avec succès seront prêts à temps, comme l'ont rassuré les autorités, confortées dans leur dire par les techniciens. Et la fête sera belle.